Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des chroniques du blindage. Le collectif pour une première vidéo de montage du Somua S35 Tamia. Donc je vous ai décrit dans la précédente vidéo, je vous ai présenté un petit peu le projet et comment j'allais le comment j'allais le mener. Euh, donc dans cette dans cette vidéo, eh ben on va se mettre en jambes tranquillement. Donc c'est plus une vidéo de de rappel pour certains et puis une vidéo pour les les débutants. On va simplement assembler euh, un petit peu de plastique. On va assembler la tourelle. Je vais vous montrer avec les serre-joints, tout ça. Et puis, on va regarder les chenilles. Les chenilles, vous allez voir, c'est super simple. C'est super simple, pardon. Ça sent, ça sent cliquette. Donc, je sais pas si ça existe, ce verre, mais bon, ce sont des chenilles à en cliqueter. Donc, euh, voilà. Donc, on les, on les clipse. Voilà, j'ai trouvé. On les clipse. C'est beaucoup plus simple. Donc, on jette un petit coup d'œil à ce qui a déjà été fait, en fait. Je me suis un petit peu, je me suis pas mal avancé, même. On va regarder sur, sur ce point de vue-là. Comme ça, vous voyez un petit peu le matériel que je vais utiliser. Je me suis un petit peu avancé parce que je trouve pas ça très intéressant de vous montrer toutes les phases du collage des pièces en plastique, etc. Parce qu'à partir du moment où on traite un sous-ensemble, comme vous allez le voir, on va traiter en fait un bogie, hein, le bogie arrière ici. Alors il y a un petit peu de colle, c'est parce que je m'étais gouré en fait. Je voilà, euh, j'en ai monté tellement des somniaques, je suis, je pense encore être capable de, de les monter. Euh, eh bien les yeux fermés et eh on ben, en fait j'ai essayé ça marche pas trop. Donc euh, donc c'est pour ça que j'ai décollé rapidement donc c'est pour ça qu'il y a des petits résidus de colle mais ça va absolument pas gêner. Donc on va se faire ce bogie ce bogie ici on va l'assembler et puis ensuite on regardera la tourelle qui pour le moment est assemblée momentanément avec euh, avec en fait un petit peu de un petit peu de scotch voilà. Donc on va la on va la poser, on va la mettre de côté cette petite tourelle et puis donc on va faire eh bien classiquement L'assemblage des pièces en plastique. Hein. C'est une petite vidéo de mise en jambe. Vous allez voir, c'est très simple euh, au niveau de l'assemblage des pièces en plastique. Max Zavod vous a déjà euh, présenté la chose hein, dans, sa, dans sa playlist BRDM2. Donc je vais pas forcément trop trop m'étendre. Vous, vous allez juste remarquer que entre entre Zavod et moi, on utilise euh, des euh, des colles, peut-être peut-être des pinces, des pinces coupantes différentes. Hein. Euh, c'est pour vous montrer que euh, un matériel de qualité il euh, y, y en a plein dans différentes marques et les il y en a plein qui fonctionnent ça c'est vraiment pas euh, voilà c'est vraiment pas un truc un truc limitant ou un truc à imposer il faut utiliser tel colle parce que sinon ça collera pas il existe plein de colles plastiques à partir du moment où vous avez une fluide et une colle un petit peu lente euh, c'est c'est suffisant la colle lente vous verrez c'est pas mal si on fait tu retouche un petit peu les ajustements on verra ça sur la tourelle bon trêve de blabla on attaque hein, euh, donc tout simplement L'un des bogies, donc on se cale sur la notice de montage que vous allez avoir ici, voilà, euh, et on va faire cette partie-là. Donc vous avez vu, j'ai fait, fait tout le reste pour avoir un petit peu d'avance hors caméra, mais là on va faire cette partie-là. Donc on, on va faire, voilà, grand, grand débutant, parce que ça peut toujours être sympa. Donc il nous faut la pièce A26, euh, il nous faut 4 pièces A7, hein, c'est les bogies, on va les repérer rapidement. Euh, il nous faut une suspension à la à 28 et puis à 25. Donc vous avez vu qu'il nous su il suffit d'avoir la grappe A. En fait, il y a deux grappes A dans le dans le kit et, euh, et on va chercher. Donc les pièces 7, eh bien, elles sont ici. Donc on va venir les dégrapper. Donc moi, pour dégrapper, j'utilise euh, cette pince de chez euh, de chez euh, de chez Dis -Dis Display. Enfin, euh, c'est un nom imprononçable. Donc euh, de cette euh, fameuse marque qui produit euh, des outils euh, des outils de qualité plutôt plutôt pas mal donc j'en ai une autre que je n'arrive pas à retrouver qui est aussi une pince de précision comme ça pour le maquettisme qui a exactement la même la même configuration donc on se met au plus près hop de la pièce hein, sans entamer la pièce faites attention donc cette pince est plutôt sécurisée il y a pas de souci de, de dérapage, il y a pas de souci on peut pas déraper hop je viens je viens pardon dégrapper les deux autres pièces hop comme ceci vous avez vu je les mets sur le côté. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est dégrapper toutes les pièces d'une phase hein. Alors il faut faire attention à pas en perdre. Ce c'est pas forcément la meilleure solution parce que ça m'arrive de, 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 de les perdre mais je dégrappe toutes les pièces soit de les perdre soit de me perdre un petit peu de me dire ah mince, c'était quoi cette pièce Parce que des fois il y a deux, deux pièces qui se qui se ressemblent et en fait il y a une pièce gauche, une pièce droite et que bah quand on les a dégrappées, on n'a plus le numéro et du coup bah il faut y aller à tâtons. Donc euh, c'est pas forcément le meilleur conseil que je que je peux vous donner. Faites, faites comme vous le faites comme vous le sentez. Si vous préférez coller euh, coller coller, euh, coller les éléments au fur et à mesure qui sont dégrappés quand c'est possible, eh bien faites-le. Là dans le cas présent, il faut tout dégrapper hein, sur cette phase de montage du bogie. Donc je dégrappe. Hop, j'essaye pas d'être au plus près. De... Ah, J'ai pas bien dégrappé ici. Hop, je pas d'être au plus près de la pièce. Hein. C'est pas la peine. Hop. Et la suspension à lamelles. Hop, hop. Touc. Voilà. Donc, j'ai dégrappé mes pièces. Donc, on va regarder à présent comment il nous faut les coller. Donc, OK, OK. On va les préparer maintenant. Donc, voilà les lignes de moulage qu'il nous faut retirer. Alors, quand on a les petites lignes de moulage comme ça, eh ben, moi je les attaque euh, comme elles sont euh, toutes petites avec des limes, euh, des limes diamantées. Je me cale comme ça et puis je viens retirer la ligne de moulage. J'essaye d'être le plus droit possible. Je mets aussi ma lime perpendiculaire comme ça pour avoir le petit retour hein, parce qu'il va y avoir une ligne de moulage aussi dans le retour. Alors quand on a des petites parties comme ça, donc moi j'aime bien avoir des petites limes, voilà, des petites limes diamantées. J'en ai une qui est de section carrée, donc qui va rentrer parfaitement ici, voilà. Il faut bien, bien retirer la ligne. Ça c'est important, il hein. faut pas laisser de ligne de moulage. Donc là c'est un, un super bon exemple hein, pour. Euh, pour l'assemblage, pour la préparation des pièces, ce type d'éléments, de, hein, des, des suspensions à lamelles, parce que ça peut paraître euh, un petit peu long et fastidieux, mais il faut le faire, parce que des fois, ça se voit. Je dis des fois, parce que vous allez voir que là, c'est vraiment pour l'exemple. Sur le Saumur S35, on peut largement s'en passer. Pour retirer les petits éléments, les petits morceaux de plastique, une vieille brosse à dents, hein, là, c'est la brosse à dents des enfants, vous avez vu. Hop. Vous inquiétez pas, ils en ont une nouvelle. Important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, comme on dit. Et puis on a voilà, ici une, une ligne une grosse ligne de moulage. Alors là, on peut l'attaquer au scalpel. Avec le dos du scalpel comme ça. Et puis de même cette partie-là. On termine par un petit passage de lime. Là, j'utilise le côté arrondi puisque c'est un élément, vous voyez, il est un petit peu, un petit peu courbe. Donc, pour éviter de casser la courbe, j'utilise la lime. Sur le retour, pareil. Et puis, de ce côté-là, la même chose. Donc, c'est pas forcément la vidéo la plus passionnante du monde. Mais je pense que pour les, pour les débutants, et puis même en piqûre de rappel, hein, c'est une, une bonne mise en jambe, ce petit, ce petit bogie Donc on vérifie qu'il n'y a plus de lignes de moulage qui traînent. Vous avez vu, je préfère attaquer moi, les lignes de moulage qui sont un peu peu longue un peu longue long à refaire et j'ai carrément laissé euh, en fait euh, voyez les tenons là je les ai pas encore fait parce qu'on les fera on les fera ensuite ces petites limes là diamantée c'est bien c'est hein. puis en plus ça 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 tient vraiment bien dans le temps Voilà, on va pouvoir se faire la ligne de moulage. Je vais retirer la majeure partie. Donc faites très attention avec les scalpels. Surtout quand ils sont neufs, ils sont hyper, hyper coupants. Si on rippe, on peut se, rapidement se faire, se faire mal, voire très mal. Donc là, j'ai une, une lime métallique. Hein, là, elle n'est pas diamantée, elle est métallique. C'est pour le gros œuvre. Dans le cas présent, c'est pour retirer les résidus de grappes. Et puis je passe une petite lime, vous voyez j'ai des petites limes souples aussi. Voilà pour finir le travail. Donc vous avez vu c'est parfois la préparation des pièces, ça prend un petit peu de temps, euh, mais il faut euh, bah, il faut se l'accorder ce temps-là. Bah, c'est une pièce où il y a forcément beaucoup de beaucoup de travail, hein. il y a des pièces où ça va ça va beaucoup plus vite. Là, là, dans le cas présent, comme c'est euh, une pièce avec euh, bah, beaucoup d'éléments, beaucoup de retours, beaucoup d'angles, c'est un petit peu plus long à préparer. Voilà, donc j'ai ma première pièce qui est faite. Je vais à présent... Voilà, là, ça va être, ça va être beaucoup plus rapide sur une pièce comme ça. Il n'y a, euh, a pas de ligne de moulage. Il faut juste donc s'affranchir là du petit résidu de grappe. Alors il y a une petite ligne de moulage qu'on aperçoit ici entre les deux écrous qui s'enlève très facilement. On fait attention aux écrous, à bien choper l'angle de l'écrou. La ligne de moulage, elle est sur l'angle, donc c'est pas un problème. On fait juste attention à ne pas trop entamer l'écrou quand on fait ça. Et puis, on va venir retirer là. Alors, tout doucement. et... Morceau par morceau, parce que vous avez vu la pièce est fragile. Voilà. On la prend par le haut, ensuite par le bas, et petit à petit, comme ça, on retire l'excédent de plastique. Je viens avec ma lime de section carrée finir le job. voilà ensuite on a un petit résidu un petit résidu ici donc on va se le retirer on fait très 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 attention là voilà tout doucement parce que faut pas faut pas abîmer vous avez vu ici c'est c'est une courbe en fait hein, c'est pas droit donc il faut suivre la courbe en même temps qu'on enlève le résidu et puis un petit coup de scalpel sur le dos pour retirer euh, bah, ce qui reste donc voilà pour, cette, pour cet élément je vais rapidement faire donc l'élément identique suivant Et puis, donc, les galets. Donc, vous avez vu, on n'a pas trop mal dégrappé. Donc là, c'est très léger. Il reste un petit peu de plastique à retirer. Tranquillement. Une petite lime souple. En suivant la courbe. Voilà. Je fais la même chose sur les autres. Les autres galets. Et puis, donc, on va pouvoir coller, hop, les pièces. Donc, on se cale sur la notice de montage. Je dois enficher les galets comme ceci. Vous avez pour le moment, je ne colle rien. Ensuite, je dois placer la suspension. Alors, il y a un sens pour la suspension, donc faites gaffe. Voilà, le petit le petit rond va venir se bloquer ici. Et ensuite, on va refermer voilà, cette partie-là. Alors, regardez, quand j'ai des choses comme ça, vérifie d'abord et puis maintenant on va pouvoir coller. Alors ce que je fais, moi, je, je, je n'aime pas trop. Donc j'utilise la colle là, qui est, qui est instantanée, qui est la Magic Plastic de chez Deluxe Materials. Moi, j'aime pas en fait faire ça, en coller ma pièce, si je peux éviter bien sûr, hein. en coller ma pièce et venir coller ma pièce ici. Je n'aime pas faire ça en fait. Ce que je préfère faire, comme c'est une code super fluide, c'est que là où j'ai la jonction, je viens couler par capillarité un petit peu de colle et euh, c'est une colle qui fonctionne du coup très très bien sur les points de liaison et c'est suffisant en fait pour assurer un bon collage. Faire ça en bas aussi. Voilà. Et puis je viens mettre ma pièce par-dessus, je vais faire exactement la même chose. Donc d'abord je vais coller le haut. Regardez hop. Et ensuite Je fais couler ma colle par capillarité sur les points de liaison, les points d'assemblage et c'est largement suffisant. Ensuite, je vais avoir des points d'assemblage ici, ils vont ils vont pas rouler mes galets. Oups, c'est oup, pas bien grave. Voilà. Je préfère les bloquer en fait. Quand on a des chenilles à maillons individuels, euh, que, euh, que les galets euh, soient, euh, soient collés, c'est vraiment pas un problème. C'est surtout, euh, souvent, c'est euh, le barbotin et la poulie de retour. Mais surtout le barbotin, il faut que ça reste mobile parce que sinon vous allez avoir du mal à positionner votre euh, chenille. Donc je laisse la pièce à sécher. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Un petit, un petit point sur les sous-ensembles. Donc je vais, retirer, je vais retirer la coque qui est tenu par des polycapins donc ça c'est plutôt hop et qui est bien maintenu devant donc je retire la coque supérieure alors un petit point sur la coque supérieure justement deux petits points sur la coque supérieure ici euh, qu'est-ce qui s'est passé et eh ben c'est parce que euh, on me demandait de percer des trous pour prévoir euh, le positionnement et, euh, et j'ai percé sans réfléchir et là en fait euh, eh bien euh, je vais retoucher les pièces puisque je vais utiliser les supports en photo découpe, donc j'ai pas besoin d'avoir ces deux points de positionnement du caisson et sur le caisson je vais les retirer. Donc euh, bah je me suis fait avoir et comme je suis pas complètement sûr que ce soit pas invisible euh, derrière, de, on risque de, de les apercevoir ces trous derrière le caisson. Et ben bah, j'ai préféré les reboucher. Donc ce que j'ai fait là, euh, mes trous, c'est que j'ai mis du rhodoïde, euh, une section ronde hein, de, de, de carte plastique, hein, mais un, 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 un profilé comme on dit rond de bons diamètres que j'ai inséré dedans et puis j'ai coulé autour du mastic, on en reparlera du mastic. Moi j'utilise un mélange un peu un peu spécial, enfin un peu spécial non mais vous allez voir. J'aime bien diluer mon mastic avec un truc un peu un peu costaud. Donc je reviens ici sur les sous-ensembles. Donc j'ai déjà préparé pas mal, de, pas mal de pièces du train de roulement. Je rassemble en général tout ça dans une petite euh, voilà, dans une petite boîte et je voudrais juste vous montrer ça, on verra après la photo des coupes. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, en fait, <coughs> voilà, ça vient se positionner. Donc, vous avez vu, c'était totalement inutile de, <laughs> de bien préparer les pièces du train de roulement parce qu'en fait, elles sont totalement invisibles. Mais au moins, on le sait. Et ça a été fait. Pourquoi j'ai pas encore collé cette pièce Pour deux choses. Hein. Parce que là, je vais retirer la lamelle en plastique, la lamelle en plastique ici que je vais remplacer par une lamelle en photo découpe, et puis il va me falloir placer une poignée ici, donc reboucher les points d'insertion de la poignée en plastique puisque je vais mettre une poignée en photo découpe. Si je n'ai pas assemblé ces éléments là, qui d'ailleurs ne sont pas finis de préparer, j'aperçois des petits morceaux de grappe, c'est parce que euh, je pense qu'il va me falloir peindre le train de roulement au moins toute cette partie invisible pour être sûr que ce soit bien noir que ce soit dans l'ombre en fait pour pas qu'on aperçoive du plastique nu et qu'ensuite je vienne coller cet élément là parce que vous voyez il y a des il y a quand même des zones où on peut on risquerait de voir euh, là non pas du tout mais euh, ici à l'avant au moins il faudra donner un petit coup de peinture et, euh, et si j'ai une fois que j'ai collé je peux plus atteindre en fait cette zone là même avec l'aérographe donc pour le moment je laisse ces éléments de côté puisqu'ils vont recevoir d'une part la photo découpe, et même après, avant de les fixer et avant de mettre les poulies de tension qui vont aller au dessus et les petits grattoirs, vous allez voir les petits grattoirs des chenilles, et euh, eh bien je vais peindre toute cette zone là en noir. Donc ça c'était un petit point. Donc ça c'est voilà, c'est les petites choses à penser au fur et à mesure quand on est quand on est sur un assemblage. Donc, j'ai déjà fait quelques, voilà, déjà pas mal préparé de choses. Donc, notre bogie, là, on a discuté, euh, bon, la, le, le, la colle n'est pas sèche à cœur, mais malgré tout, on va pouvoir le positionner. Donc, euh, c'est tout simple, vous hein, voyez, hop. Ça vient se mettre comme ça. Et là, toujours pareil, hein, moi, je viens couler. Donc, j'ai fixé, je maintiens mon bogie, et par capillarité, je viens faire couler un petit peu de colle au niveau de la jonction. Idem en fait pour ici. Alors il y a toujours un, il y a un petit décalage sur ce train de roulement, c'est marrant. Après ça ne se verra pas, donc bon, on s'en fiche un peu, mais malgré tout. Voilà, j'aime bien la mettre correctement. Et puis on vérifie, un truc important, hein, on vérifie qu'il n'est pas bancal. Donc là c'est bon. Il est bien droit, que tous les galets en fait, tous les galets de route, sont bien alignés. Sinon, ça, ça fait un peu mauvais genre, en fait. Quand vous avez un, un blindé qui est un peu bancal, ça fait mauvais genre. Là-dessus, en fait, qu'est-ce qu'il me faut mettre Eh bien, ce que je n'ai pas encore mis. C'est-à-dire, voilà, la petite... Euh, voilà On va s'assembler, donc, euh, la poulie de retour avec... Euh, alors, ce sont ces vérins qui permettent d'éloigner, de rapprocher, je pense. Hein. Euh, et puis, la plaque de protection. Et puis, le petit élément C1. Donc tout ça en fait j'avais déjà préparé euh, en amont. Donc c'est dans ma petite boîte. Je vais venir les prélever. J'ai besoin, hop, de la pluie de retour. J'ai besoin de ces tendeurs. Il faut que je positionne. Donc là il y a un petit euh, petite gymnastique à faire. Déjà on vérifie donc l'ergo ici. Donc le sens. Deux positionnement par rapport à l'ergot qui doit pas ressortir, qui doit pile poil s'insérer. Donc c'est de l'autre côté. Voilà. Donc l'ergot va s'insérer là comme ça. Ok. Il faut que je glisse ma pièce. Il faut que je glisse ma pièce en fait en plastique. Hop. Il faut que je glisse là mon ma poulie de retour. Donc c'est une petite. Euh, hop. Je reprends ça ici. Et voilà. Pour ça, les essais à blanc, c'est bien. Hein, parce que ça vous permet de voir comment tout ça va se, se positionner. Je ramène bien voilà, au plus près. Voilà, ma pièce ma pièce maintenant, elle est, voilà, elle est bien fixée. Et là, je vais pouvoir, je finalise en mettant la plaque de protection. Donc, il y a les petits ergots qui vont bien. Ici. Il faut que mon, ma barbotin soit bien enfoncée. Voilà. Et j'ai mes petits ergots, ils sont là, hop. Voilà, donc ma pièce, est, ma pièce est placée, et donc je vais venir, par capillarité toujours, voilà, mettre de la colle sur les ergots, je maintiens un petit peu, je presse un petit peu. Et puis comme ça, je vais faire tout du long. Pour m'assurer que ça tienne bien. Bon, j'ai pas besoin des, des sergents joints Bernat. Bonne vieille. Hop. Bonne vieille pince comme ça, ça suffit largement. Voilà, pour maintenir l'élément. Voilà. Et là, est-ce que j'en colle Non, je vais pas en coller ici, ça sert à rien. Par contre, je vais venir en coller ici, la petite ligne. Voilà, super. Voilà, donc ce qui est du voilà du train de roulement hein, en version accélérée, en version euh, voilà morceau choisi. Mais petite mise en jambe, donc vous avez vu, il ben faut reproduire ça, euh, faut reproduire ça pour chaque euh, pour chaque pour chaque élément du train de roulement. On passe à la, à la tourelle maintenant. Hein, quand on a un élément comme ça. Donc là, c'est c'est comme euh, voilà, c'est comme deux demi fuselages Donc déjà, le l'assemblage à blanc, ça nous montre quand même qu'il il va y avoir un petit jour, hein, même si on presse, il y a un petit jour, donc il y a un, un petit ponçage à faire. Alors c'est pas très grave, parce que moi je vais reproduire la petite ligne de soudure qui justement court à ce niveau-là. Et comme j'aurais pensé que j'aurais refait la petite ligne de soudure, eh bien, il faudra que je refasse un petit peu de texture de fonderie. Mais elle est très légère, elle est très bien reproduite par, euh, par Tamia. Donc, je vais juste me contenter de refaire par-dessus ce qui aura été poncé, refaire la même texture que ce que Tamia propose sur le reste de la tourelle. Je ne vais pas faire une trop trop grosse texture. Donc, quand on a quelque chose comme ça, eh bien, il faut être capable de serrer euh, convenablement les pièces. Donc moi, ce que j'adore, c'est les serre-joints Berda, hein, c'est classique. On peut gérer la tension de serrage, donc ça, c'est tip-top. Et comme j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour m'assurer que l'assemblage le, le, est bon, et eh bien, j'utilise la Plastic Magic, mais cette fois, 10 secondes. Donc, il une, y une prise lente, en fait. Et je viens, là, pour le coup, dans un premier temps, je vais déjà encoller ma pièce. Donc sur une, une seule une seule face pour le moment. Et je vais venir, voilà, je viens la positionner. Pour faciliter, voilà. Et je vais finir comme ça. Donc vous avez vu, j'ai glissé une, une règle en dessous, hein, puisque la tour elle est creuse. Donc il faut que je puisse avoir quand même un moyen. Il faudra un deuxième réglet. Voilà, un moyen de... Et après, il suffit simplement d'exercer une petite pression, comme ça. Hop, hop, voilà. Et plus vous allez presser, et plus la pression va être de serrage va être importante. Donc je je vérifie malgré tout ça, je continue à vérifier donc euh, tout est bien. De bon, toute façon, il y aura un petit ponçage, a un petit décalage, mais c'est c'est pas très grave. Et là, ce que je viens faire, c'est je fais glisser un petit filet de colle, notamment là, voilà. un petit filet de colle le long de la ligne d'assemblage. Donc ça c'est pour l'assemblage de base de la tourelle. On va laisser sécher là par contre tranquillement. On va pas trop y toucher. On va pas trop la travailler. Et pour l'aspect détaillage, ligne, ligne de soudure qui va courir le long et, euh, et puis euh, reprise de la texture de fonderie. Et eh ben on verra ça dans une autre, une autre vidéo parce que ça fera le ça fera l'objet d'une vidéo euh, euh, ligne de soudure. Euh, texture de fonderie et marque de fonderie, puisque je rajouterai sur cette maquette, euh, eh bien les marques de fonderie qui figurent sur euh, sur des éléments, euh, voilà, sur des trappes, etc. On a les marques de fonderie. Donc ça, c'est la petite planche charger que j'ai déjà utilisée. Vous avez vu, il manque des trucs. Euh, justement pour le Somua, pour les Somua. On regarde rapidement les chenilles. Je vous dis rapidement parce que là, l'assemblage des chenilles va très très vite. Donc vous voyez que ce sont des chenilles à maillons. J'ai pas besoin de colle. Hop. Donc, maillon individuel en plastique. Là, j'espère qu'on va pouvoir voir le détail. J'essaye de vous en prendre une comme il faut. Il y a juste, sur chaque maillon, c'est un petit peu emmerdouillant, mais sur chaque maillon, il y a tout petit point d'injection. Alors, c'est un petit point qui s'enlève, euh, qui s'enlève facilement. Euh, vous prenez une lime, mais il faut le faire sur chaque maillon, donc c'est un peu chiant. Prenez votre maillon, prenez une lime, et hop, il est retiré. Voilà. Oups, bah voilà. Hop, il est là. Donc faut faire ça sur chaque maillon. Et une fois que ça c'est fait, et ben ça va être très très simple. Il suffit de venir les encliqueter, Alors on voit pas très bien. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et j'en ai déjà deux. Et puis ainsi de suite. C'est quand même le mieux, c'est de, de le faire, de le faire à la main. Moi, j'en ai jamais cassé en faisant comme ça. Sur le sommier en tout cas, hein. Voilà. Et vous allez, comme ça, en faire, alors, combien on nous dit? On va en faire, toc, 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 102 pour chaque côté. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait, je fait par 10. 10, 10, 10, 10, 10, comme ça, il me reste les deux, les, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers à ajouter. Donc ça c'est, je vais pas vous montrer, je vous montrerai une fois, une fois terminé euh, comment euh, voilà comment ça se présente, comment ça se présente la, la chenille. Hein, donc là je vais le faire voilà je vais le faire hors, euh, hors caméra et puis euh, et puis comme ça on va euh, on va pouvoir avancer la prochaine fois sur euh, bah, sur la photo découpe. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on va faire la prochaine fois puisque je l'ai là j'ai déjà fait un côté. Voilà donc ce qu'on va faire la prochaine fois c'est euh, ça. Donc ça va être euh, voilà, la photo découpe à rajouter, et puis du coup deux petits boulons là sur la poignée sur la poignée ici, j'ai rajouté deux petits boulons donc on, on va se faire les on va se faire les petits euh, les petits boulons, je vous montrerai. Donc on se fera ça simplement. Il y a même le, il y a même le grattoir, vous avez vu le grattoir là qui est en photo découpe euh, chez Euler qui est chez Euler qui est euh, qui est dispo. Donc ça voilà, introduction à la photo découpe parce que là on a quelque chose de voilà, de une photo découpe qui est courbe. Euh, et puis euh, on se fera aussi euh, sur la partie photo découpe, bah les protections de phares qui doivent avoir une forme particulière. Donc on verra ça et puis on verra euh, effectivement, enfin également pardon, sur la photo découpe et eh ben on verra aussi comment retirer les éléments qui sont moulés à même la pièce pour pouvoir les remplacer par de la photo découpe. Vous allez voir c'est très simple, vous, vous doutez bien qu'on va utiliser un scalpel et puis de quoi poncer et puis pour reboucher les trous, je vous montrerai donc j'utilise euh, mon mastic hein, qui euh, qui est du mister Suffa surfacer mais vous verrez que je le dilue avec une vieille colle. Tous mes fonds de colle en fait, je les rassemble. Je les rassemble dans un pot. Alors c'est pas très malin de ma part parce que c'est un pot qui est marqué magic Plastic, mais c'est un pot euh, tout dégueu. Voilà, ce qu'il y a dedans, c'est un peu verre. et euh, c'est tous les fonds de colle. Je mélange toutes mes colles plastiques là-dedans pour pop pop et, euh, et je je dilue mon mastic avec ça parce que ça permet de bien le de bien le tendre. Vous allez voir en séchant, il y a beaucoup moins de beaucoup moins de retrait. Voilà donc pour cette première partie de, de, de montage SOMUA classique. C'était une petite mise en jambe d'une petite demi-heure. Je ne vous ai pas montré tout le collage des pièces en plastique parce que à partir du moment où je vous montre comment on prépare les pièces et comment on les assemble sur un. comment on prépare un bogie, vous avez compris le principe Il est le même pour toutes les pièces, on les dégrappe. On retire la ligne de moulage, on la fait disparaître et puis ensuite on en colle. Et moi pour en coller la plupart du temps, j'assemble les pièces et par capillarité sur la ligne d'assemblage, euh, sur la jonction des deux pièces, bah, je fais couler un petit, euh, un petit peu de colle et c'est suffisant, en tout cas avec la, pla la plastique magique, c'est largement, largement suffisant. Voilà. Donc, euh, alors on va se faire un, un, un écran large pour la fin, voilà comme ça. Eh bien, euh, eh bien, j'ai envie de vous dire bonne maquette. Euh, si vous montez le Somua, bon Somua. Et puis si c'est une autre maquette, et eh bien, euh, bonne maquette aussi. Euh, Portez-vous bien. Faites attention à vous. Faites attention aux autres. Et puis, à très vite pour une nouvelle vidéo sur le Somua S35. Je vous embrasse. Faites attention à vous.